là les kids! Oh là, allez, allez, come on, come on! Déjà, Angelina, son travail, c'est d'allumer le sapin, d'appuyer sur le bouton. Waouh! Waouh, Santa Claus, push the button, please. For open the light for Santa Claus coming. Yes, good job. Alors là, Thiago et Angelina pendant... Oh, merci. Alors, il faut savoir que Thiago et Angelina... Thank you. Oh, c'est pour après manger. Hein. Alors, Thiago et Angelina, pendant une semaine... Oh non, open the light, please. Pendant une semaine, Thiago et Angelina, ils sont partis dans une genre d'école d'activité tous les matins. Ça s'appelait Artcraft, c'est de l'art. Et ils ont fait de l'art. Et là, ils sont revenus à la maison avec tous leurs cadeaux. Alors là, ils vont distribuer les cadeaux à papy, à maman, à papa, à maman, à tout le monde. Waouh! Qu'est-ce qu'il fait, Santa Claus? Il est dans la cheminée. Le coquin. Et maintenant, papa, il va cuisiner. Là. Allez, papa, il part cuisiner parce que maman, elle est partie chez le coiffeur. Alors, papa, il va faire la bonne viande. Il va mettre le beau collier que Thiago lui a offert. Bon, les gars, mon petit secret, c'est un peu de miel de montagne, huile d'olive, herbe de Provence, oignon et beurre. Et on laisse tout ça mariner. Connexion à la PS. Ouh. Oui. Allez, frater, je suis rentré à la maison, donc je vous explique un peu la planning, ce qu'on a fait. Avec mon père, on est parti, donc on a mis les enfants au lit, on les a couchés. Sieste, les derniers qui sont surveillés à la maison. Et nous, on est parti, mon père, il voulait acheter des cadeaux aux enfants pour Noël. D'ailleurs, il a eu des super idées que je n'avais pas pensé, que moi non plus. Donc voilà, je suis très content. Je pense que là, ils vont être vraiment, vraiment contents. Je vous dis pas c'est quoi. Je dis jamais. Je vous laisse la surprise. Et ensuite, on est parti dans un magasin de plomberie parce que moi, tous mes robinets ici sont fracassés. Donc je suis allé, j'ai commandé mes robinets. On a choisi les robinets, tout ça. Voilà. On devrait les recevoir normalement demain. Voilà, robinet, cadeau, ah, c'est bon. On avait rendez-vous chez le coiffeur et on n'a pas pu y aller parce que justement les enfants ils dorment encore. Et je peux pas les réveiller, ils sont crevés, il faut qu'ils se reposent les pauvres. D'ailleurs moi aussi j'aurais fait une bonne sieste. Hein. Ce soir je me couche tôt. Ah, ce soir je vais me coucher tôt. C'est une guerre! Vas-y Boubi, c'est une guerre! Ah ouais! Pam, 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 c'est une guerre ici! Allez-y! Oh, il se canarde! Il se canarde! Allez les gars, on est prêts à accueillir le Père Noël ici, le Perno! Le Perno! Le Perno! Le Perno! Ah mais fraté, j'ai pas trop snappé, hein, j'ai pas snappé, je suis sur tous les fronts les gars, je suis sur tous les fronts, Twitch, TikTok, tous les fronts le frère. Là voilà, on va se faire un petit resto, alors je vous explique. On se fait un petit resto en famille, sauf que maintenant elle est pas là avec nous. Oh, c'est un GMC qui vient nous chercher. Non. J'ai commandé un van, c'est la même voiture que moi qui vient nous chercher. Oh, avec GMC, on a le même. Il est là. Allez. On l'avait, c'est un GMC. C'est comme si c'est Manog, sauf que c'est pas Manog. Un GMC et deux GMC. Voilà. Donc je disais, on se fait un petit resto. Ah, mais attendez, le problème c'est que j'ai pas le bip du portail là-haut. Ah, je reviens, allez-y, montez. Chargez dans la voiture. Je disais quoi, on va se faire un resto. Alors maintenant, elle est partie chez le coiffeur toute la journée.
changement capillaire total, je sais pas ce qu'elle m'a dit, je sais pas si j'ai le droit de vous le dire ou pas vous le dire. Bref, elle a fait un truc de fou apparemment. Voilà, hâte de voir. Donc du coup, on part au resto. Ça maintenant, la pauvre, puisqu'elle est chez le coiffeur. C'est dur d'être une femme, hein, se faire une journée coiffeur comme ça. Et je sais pas si les femmes, elles kiffent ou pas, genre. Je crois que les femmes, elles kiffent aller chez le coiffeur comme ça. Trop contente, voilà, chez le coiffeur. Quoique moi, quand j'ai fait ma couleur aux cheveux, la dernière fois, j'ai mis 3 heures. Hein. En vrai. C'est vrai, ça. Bref. Voilà, les gars. Vous avez le topo, resto. Topo, resto. Manon, coiffeur. On est là. Petit restaurant. Voilà. Alors, par contre, papy, il n'a pas levé le sac. Hein. Alors, papy, tu peux lever la sacoche à Dubaï. Vous allez où, là? Allez, ciao. Alors. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Allez, go. Pourquoi je peux jamais y aller dedans? On va y aller dedans. Les frères, j'espère que vous allez bien. J'ai bien dormi, moi. J'ai rechargé mes batteries. Je peux faire un petit café. Et je suis courbaturé partout. C'est-à-dire, j'explique. J'ai joué au foot. J'ai joué au foot il y a deux jours. Pardon, hier j'avais un peu mal. Alors aujourd'hui c'est jackpot. C'est pas que j'ai un peu mal. C'est que j'arrive plus à marcher. Santé, petit café. Voilà, ça y est, c'est le week-end. C'est le week-end de Noël, les gars, putain. Ça passe vite. Oh, t'imagines, demain, c'est déjà Noël, frère. Ça va trop vite. Viens, viens, là je t'explique ce qui se passe. Mets tes crocs vite. On va faire une partie de bowling 2 contre 2, toi et moi, contre papy et Angelina. Angelina, vous ne m'avez pas le donner, s'il te plaît. Non, t'inquiète pas, j'en ai moi. J'ai des balles spéciales bowling. Mets vite tes crocs. Allez, viens. Allez, viens. Papy. Vas-y. Toi, tu te mets avec ton papy, d'accord? Allez, Angelina avec son papy. Non, non, tout by tout. Tout. Mi, toi, tu veux te mettre avec papa ou avec papy? Avec qui tu veux jouer? Avec qui? Choisis. Choisis ton joueur. Avec qui tu te mets? Avec papa ou avec papy? Choisis. Avec moi? Allez, tiens, goûte avec son papy. Allez, viens. Allez, bubu. Allez, c'est parti. Alors là, c'est parti. Il va y avoir une grosse partie de bowling. T'inquiète pas, on va trouver les boules. Allez. Allez, une grosse partie de bowling. Une grosse partie de bowling. Tape là, bubu. Give me five. Yes. Yes. On va trouver les boules. Et. Ouais. Oh. Wow, good job. Ok. Bon les gars, je vous explique. Hier, on est parti acheter des robinets pour la maison. Je vais vous montrer l'état des robinets, comme ils vieillissent mal. Ça vient dans cette maison. Cette maison, elle était neuve quand on est arrivé. Ok. On est arrivé donc il y a un an et demi, pile. L'eau des robinets est tellement bizarre ici. On n'est pas en France. Hein. Regardez l'état des robinets. Un an et demi, là, le robinet. Un an et demi. Regardez ça. C'est dégueu. C'est dégueu. Ah, c'est dégueu. C'est plein de tartes, plein de ci, plein de ça. Par contre, les mecs, tu vois, en dessous, ils ont bien bossé. C'est propre. C'est facile. Tu vois, ils ont bien bossé. Ça, tu peux pas leur lever.
Mais par contre, quand on te dit ici qu'il ne faut jamais boire l'eau du robinet, quand je vois l'état des robinets en un an et demi, je comprends mieux. Ah là, tu bois cette eau, frère, t'es mal. Ah là, t'es mal. T'imagines l'état des robinets, un an et demi? Attention, ça, c'est des robinets qui fonctionnent tout le temps. C'est genre mon lavabo. Après, tu en as ici qui ne bossent pas tout le temps. Regardez, les nickels. Et ça, c'est le robinet des toilettes. Je ne l'utilise jamais. Moi, ici, c'est ma zone. Je me prépare, je me coiffe, tout ça. Donc, là, ici, ils sont actifs, tu vois. Donc, je tire beaucoup d'eau. Mais c'est fou comment ça a mal vieilli. Hein. Et j'ai levé ces robinets en or. C'est pas beau. J'en ai acheté des autres. Le problème, c'est que j'avais pas vu. C'est que le truc, la bande, elle est en or. Je vais pas être assorti, là. Ça va pas être assorti du tout. Bon, c'est pas grave. Hein. On verra bien. On verra bien, les gars. Voilà, c'est bientôt. Ok, chocolate. You want hot chocolate? Yeah. Oh no, it's not the time. Please. Comment, please? Please. You tell a mommy, mommy, please, I want hot chocolate. No me, no me. After mommy, no happy with me. No, no, me, I don't want hot chocolate. It's you want chocolate. Me, no, 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 no. No, 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 no. Non, 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 non. Allez, Fraté, je lance mon premier match e-sport FC24 et en plus de ça sur la PS portable. Qu'est-ce que ça va donner? Nous, on veut voir ce que ça donne. On veut voir le show. Ah, il y a une bonne qualité, hein. Ah, il y a une belle qualité de jeu. Ouh là là, l'équipe qu'il a, lui, il va me tuer. Ah, c'est des malades.